Les forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, ont été victimes d'une nouvelle attaque ce mardi 19 octobre 2021, a appris Coassi de sources sécuritaires. Selon nos informations, c'est encore la position des FACI à Téini nord-est du pays, région de Bouna, district du Zanzan, précisément dans la localité de Gogobel qui a essuyé les tirs des individus non identifiés. À en croire nos sources, l'attaque a fait un mort du côté du camp ennemi et un blessé du côté de la gendarmerie. L'élément des FACI blessé serait le maréchal des logis, Adam Martial en service à la brigade de gendarmerie de Kounefao. Pour rappel, récemment le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia attirait l'attention de tous sur la menace terroriste. Ne nous y trompons pas, le terrorisme de type militaire auquel nous faisons face, a pour caractéristique au contraire de celui urbain de conquérir les territoires en ayant pris le soin de gagner le cœur des populations locales. Il s'agit pour nous de ne pas se céder le terrain, de conserver le cœur des populations. De maintenir le sentiment d'appartenance à une communauté nationale, solidaire dans les épreuves, a soutenu le général Doumbia la semaine dernière, au cours d'une cérémonie de don de la Société d'État, Côte d'Ivoire Énergie aux Forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, au ministère d'État, ministère de la Défense.